depuis le commencement, quand on compte de cette action, jusqu'à ce qu'Allah prend les yeux depuis l'eau salatée là. Allah peut dire dans Sourat 3, il y a 190 et 191, Inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wal nahar, la'ayatin li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Certainement, dans la création de Ban Messier et la terre, et dans le changement de la nuit et des jours, et la mansif pour Ban intelligent. Pour Ban intelligent, Ban qui vraiment, je pense à Allah, pendant qu'il se fait dégoûter, pendant qu'il se fait assiser, même pendant qu'il se fait allonger, l'autre côté, le musulman, il pense à Allah dans tous les moments de la vie. Un djimoun qui permet la vie pareille, en vérité, c'est lui-même qui fait prépare, c'est lui-même qui fait prépare, veut dire pour sur la vie future, dans une vraie façon, et il fait montrer qu'il est là, veut dire temporairement, mais sur près de lui a été c'est le de là. Allah dit dans Sourat 3, ayat 102, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa taqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh ben t'es naïman, paix Allah pour ma bizin. C'est la prière qui vous fait montrer dans le Ramadan là. C'est ça même la prière qui vous a montré en dehors du Ramadan. Paix Allah pour ma bizin, et notamment, excepté dans un état qui vous fait soumettre à Allah. Comment vous réalisez ça, ayat la bonne frère et bonne sœur? C'est pour continuer ça la lutte là. Continuer ça la lutte là. N'a pas renoncé à la lutte là. C'est la lutte qui vous fait commencer dans le mois de Ramadan. Ou bien vous fait renforcer aussi dans le mois de Ramadan. Continuez. Continuez les bonnes frères et bonnes sœurs. Afin que vous capable de réaliser l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam et sœurs en islam, qui fait la lutte vis à continuer. Parce que pour les musulmans, les dents, c'est un facteur vital. Les dents, c'est un facteur vital. Les dents, c'est nous la vie. Les dents, c'est nous la vie. Un ramadan finalé pour un dit-nous qui nous la vie finit diminuer. Un ramadan, l'on nous compte, c'est une existence qui finit diminuer. Nous la mort fin approcher, mais n'a aucun doute, bonne frère et bonne sœur, le son qui vous vient attirer avec la venue du mois de Ramadan et ce départ, c'est rappel réalité où la vie qui commence quelque part, pareil comme à Ramadan, fin commence quelques jours et fin terminé. Et là, quelque chose qui est important. Est-ce qu'il Ramadan? Est-ce qu'il Ramadan fin de mantiken? Est-ce qu'il te fait profiter? Est-ce qu'il te fait faire ce qu'il vient de faire? Est-ce qu'il te fait un amendement avant qu'il ait terminé? Est-ce qu'il fin dit est-ce qu'il te fait un délai? Non, chers frères et chers sœurs, les fin aller parce qu'il est fini pour y aller. Comme ça même, quand nous l'est fini pour nous aller, n'a pas posé nos questions. Est-ce qu'il te parait ou bien non? Est-ce qu'il te fait ce qu'il vient ou bien non? Est-ce qu'il te profiter avec de la vie ou bien non? Donc chacun face à sa responsabilité. Allah peut dire قال كم لبثتم في الارض عدد سنين شو قيامه بجيه ابن انسان كميه لكم كميه لانس من رسول الله قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين بل بجيه لفي الغسل بان سيلزو او بيان باتي دنزو ان سيلزو او بيان باتي دنزو دمان بان كي كونتي قال بل لبثتم إن لبثتم إلا قليلا. Mais non, je suis simplement resté sur la terre. Excepté pour un petit quelque temps. لو أنكم كنتم تعلمون. Et si seulement je suis un musulman, si seulement je suis un pénaïman, je suis connu. Mais dire qui quantité, les temporaires et les comptes, ça la vie, l'eau la terre. Allah vous pose question en termes de l'année. Et ben dis-moi pour répondre en termes de jour. Frère musulman et sœur musulman, oh toi jeune musulman, oh toi jeune musulman, qui te trouve, te permet plus fort et plus solide, connais-tu, te fait plus costaud avec la mort, au lieu qui te ressenti, qui te fait plus paré pour désobéir à Allah. Un jeune, il croit qu'il plie l'âge de la jeunesse féminine, il peut croire qu'il finit paré pour qui il a misé l'eau la terre, il jouit à la haram l'eau la terre. Non, au contraire, la mort peut coûter.
Allah dit dans sourate 62, ayat numéro 8, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Jesus, c'est la mort avec lequel je te fais sauver. Certainement, il fait vivre jeune, et ensuite je te pourrai tourner vers celui qui est la connaissance de l'invisible et ce qui est visible. Et il vous informe de ce qui je te fais faire. L'eau, ça donne à la. Mon frère et ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fais Allah, n'importe que tu as été, hadith au Tirmidhi. Frère en islam, sœur en islam, question que chacun des apôtres nous pose lui-même, avec le jour de Eid, qui aucune décide pour faire? Qui va comme décider de vous faire? Shaitan qui te finit enchaîné, peut être déchaîné, peut larguer. La guerre a fini déclencher entre Salem et acharné de l'homme. Shaitan fini commence à attaquer. Qui aucune décide de vous faire? Imagine tout le monde d'efforts qui vous fait faire pendant ce temps-là. Est-ce qu'il vous fait rouler? Qui tout ça d'efforts-là retourne à néant? Est-ce qu'il vous fait rouler? Qui tout ça sacrifice-là? Les fonds pour magicien dans des lots. Créateur qui vous fait faire sur Ibadat. Pendant Ramadan, les peut toujours vivant en dehors Ramadan, créateur qui vous peut observer aux apolis, les peut toujours observer pendant le mois de Ramadan, créateur qui vous peut écouter vos bonnes paroles pendant Ramadan, les peut toujours écouter vos bonnes paroles ou bonnes salopes après Ramadan, créateur qui t'y connaît, qui peut dérouler dans l'été pendant Ramadan, les peut encore une information de chaque mauvaise pensée qui peut passer dans mon été, ange qui t'y peut écrire une bonne action pendant Ramadan pour continuer. Enregistrer nouvelles actions toujours après le mois de Ramadan. Donc, frères et sœurs, prendre une décision ferme, cette fois-là, pour ne pas laisser vous gagner en bébé avec Shaitan, prendre une décision ferme, pour ne pas renoncer le combat contre Salem Lila, prendre une décision ferme, pour ne pas tourner les deux avec la porte masjid après le mois de Ramadan, prendre une décision ferme, pour ne pas renégliger sa bonne parole quotidienne qui a la fin impose le roula. Alors prends sa décision ferme là. Ça c'est la victoire, chers frères et chers sœurs. Ça c'est la joie de Eid. Et ça, c'est la joie de Eid qui peut continuer, même après mon jour de Eid. Mon frère et ma sœur, nous déroulons sa courbe là. En montrant qui s'attrape, qui nous veut dire qui vous a gagné. Qui le combat visait continuer. La lutte visait continuer après le mois de Ramadan. Ça c'était la façon de vivre de Ben Salaf Saoum. Ben Salaf Saoum Matla, ben première génération de l'islam, ben Sahaba, ben Tabi'in et Tabi'in. Je dis tout le temps gagner le traka, je dis tout le temps vivre dans ce traka là, je dis tout le temps, malgré cette sincérité dans Dine Allah, je dis beaucoup plus fort qu'il nous donne iman, je dis beaucoup plus solide qu'il nous donne taqwa, mais malgré ça, je dis que gagner ce traka là. Va porter par Djoubaïr et nous faire le dire, me dirons que Abu Darda dans son lacage à Him, pendant qui lui dit de faire salat, de goûter, dans place qui lui fait salat, quand lui fait narciser, pour ta chahoud, lui fait commencer sa protection avec Allah contre l'hypocrisie. Quand lui fait terminer salat, pour fin d'y aller, qui a la part de nous, Abu Darda, contre où et contre l'hypocrisie, contre où, contre l'hypocrisie, elle l'a dans l'est, elle l'a dans l'ouest. Alors Abu Darda fin dire, oh Allah, pardonne-moi, lui fin dire ça trois fois, et lui fin dire, qui s'en a qui a l'abri de ma épreuve, qui s'en a qui a l'abri de ma pipina, qui s'en a qui a l'abri de mes pièges, Shaitan, c'est un alors Allah, une personne qui est capable d'être tentée dans un petit moment et lui détourner de ce pire. Frère en islam et sœur en islam, ceci, si nous message pour à l'occasion de sa grand jour, le jour de Eid, après un mois de sacrifice, après un mois d'effort, et alors, mon frère et ma soeur, certains parmi nous visaient faire des efforts pour continuer sa lutte là. Alors, on nous dit, nous renouvelons l'appel, sa congrégation que tu besoin, 7 fois par jour. Et en plus de ça, dans une année spéciale, une 6e fois, dans sa 6e jour-là, nous faisons l'appel à sa congrégation-là. Sa congrégation-là, visait continuer, soigne. Sa fraternité-là, visait continuer. Sa congrégation-là,
Ce mission pas encore accomplir. Il fait simplement commencer. Il fait simplement commencer. C'est le commencement d'un grand travail. C'est le commencement d'un grand parcours. Et un parcours qui demande le support de tout un chacun. La collaboration de tout un chacun, frères en islam et sœurs en islam. Alors, nous pétons beaucoup le haut, aux présences dans Mansoualat, aux présences dans Mansoualat, pendant lequel nous fait traverser beaucoup d'informations, pendant lequel nous fait traverser beaucoup d'informations, pendant lequel nous joignons nos frères, nous gagnons contact avec nos frères, nous partagent entre nous. Nous bonnes problèmes, nous bonnes souffrances, nous bonnes difficultés, nous bonnes conseils, frères en islam et sœurs en islam, béna une meilleure congrégation pour les musulmans, béna une meilleure base pour les musulmans, je t'étais pour établir l'unité autre qu'un masjid. Un masjid, c'est sa même base plus solide pour construire l'unité de la communauté. Alors nous invitons vers la case Allah. Vers la case Allah, afin que de sa base solide-là, nous bâtir la fraternité islamique et nous construire ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les fit construire, mais il y a après sur les migrations. Mais on n'a pas fait exagérer, ou bien pas parce que nous fit mettre un masjid du bout qui nous met à Oli, nous pouvons Oli à réfléchir. Et le prophète d'Allah rentre à Madina après qu'il quitte Makkah, pose aux mêmes questions. Avant sur la case qui prenne les bâtiments qui les rangent, qui prenne les bâtiments qui les mettent du bout, c'est un masjid, chers frères et sœurs. C'est un masjid qui lui met des bouts. Il peut mettre des bouts sur la case. Pourtant, il quitte Makkah. Il n'a pas la case pour rester. Il met des bouts à un masjid. Alors, à ce moment-là, si nous finirons pour commencer le travail dans sa fondation-là, ça c'est la façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nos bases, c'est la case d'Allah. Nos bases, c'est la case d'Allah. C'est à partir de la case d'Allah. Inch'Allah, qui nous fait faire propage le message d'Allah, le message de l'islam, pas seulement avant les musulmans de l'endroit où vient de sa pays-là, lui n'a même la responsabilité à véhiculer ce message-là, veut dire vers l'humanité en entier, vers tout ce qu'appelle les enfants Adam. Frères de l'éclair, je souhaite tous nos bonnes frères et tous nos bonnes sœurs, un Eid Saïd, Eid al-Mubarak, تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير.